Salut tout le monde, ça c'est l'éponge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour une nouvelle mission de Tom Connor. Donc il me demande de rejoindre Grapeseed Avenue. Comme par hasard mon hélico est juste en dessous d'un panneau. Bravo le spawn, bravo le spawn. Allez, je vais aller sur place et voir ce qui se passe. Donc a priori c'est une petite mission, hein, et il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, je l'espère, parce que si je vais mourir 36 mois, 36 000 fois, bah je vais forcément rager comme tout le monde. Hein. Allez, je vais aller sur place. Alors, fuir la zone pour trouver le camion de livraison. Ok, bon, la zone, nous sommes dans la zone. Donc la zone, c'est ce qui est en jaune, hein, évidemment. Il faut que je trouve le camion de livraison. Je pense qu'il faut juste récupérer le camion. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de temps à respecter, enfin, je l'espère. Bah, le camion, si c'est ça, je pense que ça doit être... Ah, ben voilà, c'est bon, j'ai trouvé. C'était pas très difficile à trouver. Il est juste là. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le camion. Alors, je sais à peu près ce que je dois gagner. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que la mission, elle n'est pas si difficile que ça. Alors, la balise bouge au niveau, si vous faites vite, mais vous roulez prudemment. Ok, bah oui, ça se voit sur la barre en bas à droite. La barre que vous verrez pas forcément. Donc il faut que je fasse attention pour ne il faut pas que je fasse d'accident quoi. Sinon la, le camion il va exploser. Donc heureusement qu'ils ont prévu de ne pas faire spawner les ennemis hein, pour éviter toute catastrophe possible. Donc comme je connais la route, je ne vais pas. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien touché. Ah, ok, c'était tout à l'heure. J'ai eu peur. Donc, comme je connais la route, hein, je suis pas obligé de suivre le GPS. Hein. Ici, je sais que forcément, si je prends cette route-là, j'irai directement au casino. Il reste 5 km à faire. Enfin, 5 km, c'est 50 km dans la vraie vie. Hein. Donc dans le GTA, ils mettent 5 km, voilà. Il faut rouler prudemment, Livre le camion à The Musical, Music Locker. Pourquoi je dis Musical, Musical. On dit justement musique locker, c'est tout. On rajoute pas des mots, s'il vous plaît. On rajoute rien du tout. Oh, je suis avancé trop vite. J'avais pas remarqué que il fallait pas rouler très vite en fait là. Ok, d'accord. Parce que la barre il baisse au fur et à mesure que je roule. Je comprends rien là. Pourquoi ça baisse? Est-ce qu'il faut que... Pourtant, j'ai pas fait d'accident. Il y a un petit problème. Champagne, alors. Pourquoi ça baisse? Pourquoi ça baisse? J'aimerais bien savoir pourquoi ça baisse, s'il vous plaît. Parce que j'ai tapé personne. J'ai pas fait d'accident. Pourquoi ça baisse? Donc du coup, je suis obligé de rouler doucement alors. Parce que sinon... Ah, ok, j'ai compris. C'est en tournant, il faut pas que je tourne trop brusquement. Parce que comme c'est du champagne, ça va secouer. Et ça va faire des bulles. Ok, d'accord. Bah, ok, j'ai compris. Mais il faut le dire dans la description. Parce que moi, je comprends pas forcément. Hein. Je ne comprends pas forcément. Parce que je roule et quand on me dit qu'il faut rouler, et je pense pas que dans la vraie vie le mec il va rouler à cette allure quoi.
Je ne pense pas du tout, monsieur. Je ne pense pas et je ne crois pas du tout. À cette allure, tout le monde va klaxonner derrière. Hein. Je sais pas, dans le champagne, il va mettre un truc, je sais pas, un truc de mousse pour éviter que ça fasse gling, 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 gling derrière. Ah oui, il faut que j'observe la jauge. Hein. Je regarde, il faut... Là, j'avance, mais prudemment. Limite au pas humain. Alors que je suis dans un camion qui doit rouler à peu près entre 70 et 90, quoi. Hein. Je suis presque arrivé, mais je suis encore loin. Il reste encore 10 km à faire. Enfin, 1 km, mais ça vaut 10 km. Allez, allez, courage, courage, monsieur Axel Éponge. On est déjà presque arrivé. Courage, il reste un petit peu de barre, mais... C'est bon, tu vas réussir ta mission, t'inquiète pas. Oh, je regarde, j'observe. Presque. Vas-y, un petit coup d'accélérateur. Je suis presque arrivé. Donc, je précise, mes amis, pour ceux qui ont commencé plusieurs fois cette mission, qu'il faut bien regarder la jauge, il ne faut pas rouler trop vite. Attendez, je vais essayer d'accélérer, voir si avec l'accélération ça fait baisser la barre, vu que je suis pas trop loin. Ouais, ça fait baisser. Hein. Je vous déconseille d'accélérer trop vite. Et s'il faut le tourner, vous essayez de tourner doucement comme ceci. Voilà, ça monte tout seul. Et une fois que sur la pente, et quand il faut tourner, admettons, il faut tourner à gauche là, là, vous ralentissez comme dans la vraie vie. Hop, vous ralentissez comme ça. En fait, c'est une leçon de conduite hein, qu'on apprend sur GTA. Voilà, hop, là, il faut éviter de taper, bien sûr, le feu, voilà, tourner doucement comme ça là et le tour est joué, presque. En tout cas, je suis à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Je suis presque arrivé, il me reste un petit peu de barre. Ouh, je flippe là, il faut pas que je tape un mur, il faut pas que je tape une voiture, il faut que je fasse attention tout simplement. Ah, il faut faire encore un grand détour. Mais non, mais il se fout de moi, je pense. Hein. Ah non, hop, j'ai loupé. Non, c'est pas un grand détour qu'il faut. Oh, je tournais trop vite, là. Non, c'est pas un grand détour. Ah, je suis arrivé devant la place de parking. Donc ici, une fois que je suis ici, je vais prendre tout mon temps et tourner. Et voilà, nous sommes sur le point d'arrivée. Avant de terminer cette vidéo, j'ai envie de tenter ma chance sur cette belle voiture dans la vitrine. Belle voiture, ouais, c'est une belle voiture. Une voiture à gagner, j'espère que j'ai ma chance aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vais aller dans le casier avant. Prendre mes jetons, parce que je viens d'avoir les 25 000. Donc là, plus 1000, voilà, regardez, mes jetons, ils sont à 877 129, je n'ai jamais dépensé, enfin, si une ou deux fois. Hop, là, je viens d'avoir 1000. Donc, chaque jour qu'on se connecte, hein, on a 1000 jetons. Allez, je tente ma chance. Ah, ça a été tourné, je sais que j'aurai pas la voiture, mais j'ai pas envie de tricher, en fait, là. Je triche jamais, moi. Je préfère tenter ma chance. Enfin, je préfère tenter la chance avec la chance, quoi. Voilà, je savais que je n'allais pas gagner. Parce qu'il fallait, dès qu'on voit le t-shirt, là, il faut quitter la session. Et moi, j'ai pas envie de quitter la session. J'ai payé la voiture. Mais bon, après, les voitures, les,
les voitures que j'ai gagnées. Je n'ai pas encore à me plaindre, mais j'ai jamais eu de belles voitures comme ça, malheureusement. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur like, de faire partager. Comme d'habitude, toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.